Dimanche 23 juin, la reine Elisabeth II assistait à un match de polo de la Royal Windsor Cup. Sur place, l'actrice Gillian Anderson a vécu un moment très gênant. Oh my god! Dimanche 23 juin, la reine Elisabeth II assistait au traditionnel match de polo de la Royal Windsor Cup. Tout de rose vêtue, la monarque britannique a vécu un drôle de moment qui a beaucoup embarrassé l'actrice Gillian Anderson. Et pour cause, comme le rapporte The Mirror, une écharpe noire, projetée par le vent, a frappé au visage Elisabeth II. Si l'actrice semblait être gênée par cet incident, la reine, elle, n'a pas du tout été déstabilisée et a simplement continué de descendre les escaliers. Pour cet événement, Elisabeth II avait une nouvelle fois choisi une tenue bariolée. Quelques jours auparavant, pour assister aux courses de chevaux du Royal Ascot 2019, la reine avait déjà misé sur des looks en couleur. Dès le mardi 18 juin pour le lancement de l'événement épique, elle était habillée d'une magnifique tenue bleu pastel, assortie à la robe Elisabe de Kate Middleton. Le lendemain, la reine d'Angleterre a opté pour un vêtement mauve, tout comme son chapeau orné de fleurs de différentes nuances de violet. Le 20 juin, la reine Elisabeth II était vêtue de couleurs plus sobres, un long manteau gris brodé de motifs jaunes, pour assister au Ladies Day des courses de chevaux. Enfin le lendemain, la grand-mère du prince William et du prince Harry rayonnait de beauté, parée d'une robe blanche à fleurs, enfilée sous un long manteau rose vif, assorti à son couvre-chef. Sur sa veste était accrochée une broche blanche, l'un des accessoires favoris de la chef du Commonwealth. Pour clôturer la Royal Ascot 2019, elle était très colorée dans un look vert pastel.